Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo un petit peu plus personnelle sur mon parcours du coup au niveau de mes études de mode. Je voulais vous en parler parce que ça fait maintenant plusieurs années que j'ai arrêté les études et que je suis dans la vie active. Et il me semblait important de vous en parler dans le sens où les études de mode, c'est souvent des écoles privées, des écoles qui coûtent super cher. Et du coup, je voulais un petit peu vous raconter mon expérience avec ça et également quelques points positifs et aussi négatifs du coup sur une de ces deux écoles dont je vais vous parler. Après mon bac, j'avais vraiment comme projet de faire de la mode. J'avais envie de faire soit du marketing, soit de la mode. Donc du coup, j'avais vu qu'il y avait un espèce de BTS marketing de luxe, ou soit carrément me focus plus dans le stylisme pur. Donc du coup, comme j'habitais à Nice à l'époque, sur Nice, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait une école qui s'appelait en fait Pro Artigraphe, qui était sur le port. C'est une école qui coûtait 5000 euros chaque année. Donc du coup, il fallait faire une mise à niveau. Et après, c'était un BTS design de mode. Et donc du coup, j'ai commencé à faire cette mise à niveau là-bas. Mon père a payé 5000 euros. On achète toutes les fournitures, etc. Et en fait, cette école, dès Halloween, petit mail, tatata, bonjour, nous fermons, faillite. Ok, d'accord. Donc du coup, on s'est retrouvé un petit peu dans la merde, quoi. Surtout moi, parce que moi j'étais gênée. Mon père avait investi de l'argent. Où est passé cet argent, je ne sais pas. Donc du coup, je me suis retrouvée avec un commencement d'études un peu bancal. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'au final, tous les élèves de Pro Artigraphe sont partis chez ILEC, donc à Nice. Et ILEC, ils avaient une espèce de session, pareil, design de mode, mais eux, c'était du grand n'importe quoi. Franchement, il n'y avait rien à voir avec le design de mode, à part une professeure qui est juste incroyable, qui est une vraie styliste. Et je pense très fort à elle d'ailleurs. Mais sinon, tous les autres profs, franchement, nullissimes, le modélisme pourri. On nous faisait faire de la chimie. Enfin, qu'est-ce qu'on a à voir avec la science? Enfin, vraiment des trucs inutiles. Et quand j'avais fini cette année, j'ai décidé au final de faire une école vraiment spécialisée dans la mode. Et du coup, ma mère avait repéré cette école qui s'appelait S-Mode. Donc du coup, je suis allée à S-Mode de Lyon. J'y suis allée pendant 3 ans parce que c'est un cursus de 3 ans. Et vous avez en fait une première année là-bas où vous allez en fait apprendre tout ce qui est les bases. Donc vous allez apprendre, que ce soit en stylisme ou modélisme, les bases. Vous allez faire une trousse, vous allez faire une jupe, vous allez faire une robe, une chemise. Vous allez vraiment apprendre à faire des points de couture. Voilà, un petit peu tout ça. Moi, la première année, là où j'étais, il y avait aussi eu un concours sur une personnalisation de suite que j'ai gagné avec d'autres personnes. Donc du coup, j'avais eu un stage offert en Allemagne, donc c'était très très bien. Et ensuite, vous avez une deuxième année. Cette deuxième année-là, au niveau de la couture, vous allez plus apprendre tout ce qui est le costume. Donc en fait, quand vous apprenez le costume dans la couture, ça veut dire que vous savez tout faire. Dès que vous apprenez en fait à faire une veste de tailleur, ça veut dire en fait que vous êtes capable de réaliser un manteau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la veste de tailleur, en découle après le bomber, en découle le perfecto, etc. etc. Et vous avez aussi un petit cours sur le corset. Vous avez également un cours qui va plus être basé du coup sur tout ce qui est les matières un petit peu plus fragiles comme la soie. Je me souviens qu'on avait fait un exercice, on va dire, où on devait rendre une chemise avec une matière soit popeline de coton, soit matière soie, soit matière synthétique, etc. Et vous apprenez également le pantalon. Donc en apprenant le pantalon, ça veut dire que vous pouvez également réaliser des shorts, etc. Des salopettes et j'en passe. Donc c'est vraiment très intéressant. La deuxième année, elle est vraiment plus focus sur le produit. Et comme c'est des grosses pièces qu'on apprend, le pantalon c'est quand même une grosse pièce, le manteau c'est des grosses pièces. Moi je sais que j'adore les grosses pièces. Et du coup c'était beaucoup plus pertinent pour moi la deuxième année. Moi, ces années d'études, va y avoir un petit peu un mélange de aussi ressenti personnel, dans le sens où c'est à ce moment-là que j'ai commencé en fait à développer des TCA et de la dépression. Donc du coup, c'est vrai que peut-être que mon avis aujourd'hui va être un petit peu dur,
je ne sais pas, mais en tout cas, sachez que je suis juste, en fait, dans ce que je dis, j'hyperbole rien, je suis pas là pour ça, de toute façon. Donc voilà. Ensuite, vous avez également une troisième année. Dans cette troisième année, là, ça va être plus l'année en fait qui va concrétiser en fait ces 3 ans passés là-bas. Ça va être une année de spécialisation. Donc vous pouvez choisir la spécialisation haute couture, prêt-à-porter, hommes, femmes, enfants, création scénique, lingerie, plein d'autres choses. Vous avez aussi de la maille, etc. Et là, ça dépend aussi de la ville en fait où vous allez. Moi, je sais qu'à Lyon, on avait pas le choix surtout. Donc si vous voulez faire de la lingerie, hop, vous deviez partir à Paris pour votre troisième année. Donc c'est-à-dire un nouveau déménagement, une nouvelle école. Et en plus, à Paris, les prix sont encore plus chers. Donc voilà, c'est plein de choses qui sont à prendre en compte. Après, ces écoles, cette école-là, du coup, S-Mode, était bien dans le sens où les emplois du temps, je trouve, étaient bien faits. Vous aviez vraiment des journées focus stylisme, des focus modélisme. Après, vous avez un peu de marketing, mais encore une fois, marketing focus sur la mode, donc très intéressant. Vous aviez aussi des cours d'anglais. Donc anglais, super, mais du coup, anglais avec tous les mots, tout le vocabulaire en fait du vêtement. Donc c'est hyper intéressant et c'est vraiment un anglais pertinent. C'est pas l'anglais, vous êtes dans une ville, vous devez vous débrouiller pour trouver la station de métro. Là, c'est vraiment, on vous focus sur l'univers de la mode et je trouve que c'était vraiment très cool. Et c'est vrai que les cours passaient quand même à une certaine vitesse parce qu'après c'est sûr que quand entre guillemets vous êtes passionné, ben vous voyez pas le temps passer, mais c'est qu'il y a aussi énormément de travail personnel. Ou dans ces 3 ans que j'ai fait, je dois vous avouer que je me suis forcée en fait à faire la dernière année. Pourquoi? Parce que certaines personnes, certains de mes amis, etc., avaient fait des prêts hein, pour faire ce genre d'école. Moi, j'ai eu la chance que mon père les paye à ma place, donc merci beaucoup. Et en fait, j'avais aussi ce poids sur les épaules de me dire « Doris, t'as déjà fait 2 ans, tu vas pas abandonner maintenant alors qu'il y a eu un investissement de 20 000 euros ». Donc du coup, je me suis aussi forcée à faire la troisième et dernière année alors qu'en réalité, j'en avais pas forcément envie. Et que, en fait, j'étais pas prête. J'étais pas prête parce que pour moi, la dernière année, en fait, vous faites vraiment votre collection. C'est quelque chose qui est censé vous représenter. Et à ce moment-là, j'étais totalement perdue, j'étais totalement démunie, j'étais totalement en dépression. Donc du coup, c'était hyper dur pour moi. Mais bien évidemment, je me suis forcée et je l'ai fait. Moi, cette école, j'ai commencé en 2015-2016, je ne sais plus exactement, et du coup, sur 3 ans. Et je suis sortie de cette école avec un diplôme, mention bien. Donc, c'est très bien. Enfin, je veux dire, c'est pas mal hein, quand même. C'était environ 15 de moyenne. Donc, c'est vraiment très bien. J'ai eu des très, très bonnes notes, des beaux projets. Donc, vraiment... je trouve que j'ai bien réussi mon année, mais en fait c'est une école où soit vous vous donnez à fond et soit vous vous dédiez totalement à ça et vous êtes dépressif, vous avez bossé comme un acharné, etc., vous êtes au bout de votre vie, soit vous finissez votre cursus, vous avez 10 de moyenne tout pile, bon vous n'avez pas de mention, vous n'avez rien, mais vous avez votre diplôme aussi et votre année a été vécue à la douce quoi. Vraiment, vous avez coulé sur l'eau, c'était tranquille. Donc voilà, j'ai pas vécu non plus la même année que d'autres étudiants. Moi, c'est vrai que quand je me mets dans un truc, je m'y mets à fond. Donc du coup, c'est vrai que j'ai vraiment vécu ces années-là... pas avec passion, mais surtout avec acharnement en fait, parce que je me forçais pour faire mieux en fait, pour l'investissement de mon père, pour aussi l'image que les profs avaient de moi, l'image que les gens avaient de moi. Surtout quand vous avez une bonne note, et bah après il faut que la prochaine note elle soit aussi autant meilleure, vous voyez ce que je veux dire, elle soit aussi bonne. Donc du coup j'avais aussi cette espèce de pression là sur les épaules que je me mettais moi-même hein, bien entendu, mais voilà, j'avais ce besoin aussi de réussir. Et c'est vrai que moi je suis un peu il faut que tout soit parfait, parce que si c'est pas parfait, c'est pas bien. Donc du coup j'aimerais vous parler un petit peu des côtés positifs en fait et des côtés négatifs de cette école. Le positif dans cette école, c'est que vraiment on va vous apporter des bases de couture solides. C'est-à-dire que vous allez vraiment savoir coudre. Vous sortez de cette école, vous êtes capable de créer un produit de A à Z.
du prototype au patronage, au produit fini, vraiment vous êtes capable de gérer ça. Vous avez appris à travailler plusieurs types de matières, qu'elles soient fragiles, qu'elles soient épaisses ou autres. Vraiment, c'est une école qui va vous former en couture, mais sublimement bien. Vraiment, j'ai pas grand chose à dire à ce niveau-là, au niveau du modélisme. Franchement, ça m'a beaucoup apporté et je sais qu'aujourd'hui, si demain j'ai envie de me faire un perfecto voilà, en cuir, eh ben, je me fais mon perfecto en cuir et il n'y a aucun problème, quoi. Donc voilà, après, je vous avoue, moi de base, je me forçais hein, pour le modélisme hein, parce que j'aime pas ça. Hein. Le seul moment que j'aimais ça, c'était le moment limite où je cousais parce qu'en fait, quand je cousais, je réfléchissais plus. Et comme j'ai un cerveau un peu qui fait bim bam boum, pour moi mon cerveau c'est une boîte en transparente comme ça, il y a une fusée dedans, elle fait que taper dans tous les sens. Donc du coup c'est vrai que pour moi c'est un peu difficile des fois de m'apaiser. Mais c'est vrai que ben, le fait de coudre, d'être comme ça sur sa machine et que ça aille tout seul, c'est vrai que c'était l'un des moments où en fait limite je m'évadais, je pensais plus à rien et je cousais quoi. Au niveau de la couture, je trouve ça hyper pertinent, vous apprenez vraiment à coudre un vestiaire entier. Donc franchement, j'ai rien à dire à ce niveau-là. Merci, enfin, cette école m'a beaucoup apporté. C'est vrai que vous allez voir plusieurs façons de créer des vêtements. Donc vous allez voir la création de vêtements par moulage. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir un buste que vous allez acheter. Et oui, bah, ça on en parlera après dans les points négatifs. Mais c'est vrai que vous allez aborder plusieurs façons en fait de créer un vêtement, parce qu'un créer un vêtement c'est pas simplement le créer à plat ou le créer sur un buste, voilà, il y a mille et une façons de créer un vêtement, mais voilà, eux ils nous apprennent deux types de façons, donc du coup à plat et également moulage sur buste. Moi je vous avoue que je préfère à plat parce qu'encore une fois à plat c'est un peu carré, vous voyez, et du coup moi c'est vrai que même si je suis très très créative, j'aime bien quand il y a ce petit côté perfection, en mode c'est noir sur blanc, c'est propre. Donc voilà, donc je trouve ça vachement intéressant également. Du coup, les points positifs, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, les cours d'anglais et de marketing qui sont vraiment ciblés mode. Donc tout le vocab mode, vous allez l'avoir. Le marketing vraiment pour créer votre entreprise, etc. Ça peut être vraiment très intéressant. Il y a des petits tips et tout. Franchement, c'était des très bons cours et j'ai vraiment apprécié. Les intervenants étaient vraiment bien, j'ai rien à dire quand même à ce niveau-là. Franchement, je suis plutôt contente d'avoir eu ce type de cours. Ensuite, ce qui est également hyper intéressant et hyper pertinent, c'est qu'en fait, cette école va vous pousser. C'est-à-dire qu'elle va vous pousser dans le sens où il y a toujours des nouveaux projets. Vous n'allez jamais vous retrouver une semaine, « Ah, c'est chill, on fait rien, on va sortir pompelope. » Jamais. Vraiment, c'est une école où vous allez avoir, je sais pas, une dizaine de projets dans l'année, quoi. Donc, et ce qui est cool, c'est qu'en fait, il y a toujours un lien entre ce que vous faites au niveau du stylisme et ce que vous faites au niveau du modélisme. C'est-à-dire que vous allez, imaginons, créer un dossier sur une chemise. Au niveau du stylisme, vous allez chercher des inspirations, vous allez chercher des finitions, etc., des coupes un peu spéciales, des inspirations auprès de créateurs que vous appréciez, même de la nature ou de l'architecture également. L'inspiration, elle vient de tout. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau du modélisme, vous allez réaliser en fait ce projet. Donc, il y a vraiment une suite logique entre les deux et c'est pour ça que je trouve ça en fait vachement pertinent. Et je trouve que c'est un bon processus d'apprentissage parce que ça permet vraiment de concrétiser les idées que vous avez dans votre tête. Donc ça, vraiment, si ça vous intéresse, je pense que ça peut être une école pertinente pour vous. Comme je vous disais, quand vous êtes passionné aussi, ça peut être de n'importe quoi, hein, même de jeux vidéo, vous pouvez y passer des heures. Donc c'est-à-dire qu'en fait, vos cours, en fait, il y a quand même un peu de liberté. C'est-à-dire que moi, après l'école où j'étais, franchement, le cadre de vie était agréable, il y avait des grandes terrasses, c'était sympa. Vous pouvez vous lever à tout moment pour aller aux toilettes sans forcément demander la permission. Enfin, vous avez vraiment quand même une certaine liberté, en fait, dans cette école et une certaine autonomie. Et l'autonomie, vous devez en avoir, ça je vous le garantis, parce que sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Mais vraiment, c'est une école où quand même vous vous sentez bien, mais il y a du boulot. Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de boulot, mais vous ne voyez pas le temps passer. Vraiment, vous passez une journée entière à dessiner, vous passez une journée entière en train de coudre. Donc en fait, le temps passe très vite. Et c'est plutôt agréable hein, quand on fait des études que le temps passe vite. C'est mieux que de regarder l'heure toutes les 5 minutes.
Ensuite, je ne me souviens plus comment s'appelle ce cours, mais c'était un petit peu un cours art plastique, on va dire, où vous développez votre créativité. Donc, vous pouvez dessiner des corps, on reçoit des intervenants qui peuvent venir habillés, nus. Donc voilà, faut pas avoir peur non plus de voir un torse de femme ou d'homme, hein, voilà. Mais c'est vachement intéressant. Et je trouve ça plutôt cool parce qu'encore une fois, voilà, ça développe un peu sa créativité et ça permet aussi de s'évader et d'avoir des cours un petit peu plus relax que le stylisme et le modélisme qui sont vraiment deux cours et qui sont vraiment le cœur même de cette formation. J'ai envie de vous dire, on va commencer à parler du négatif. Ça arrive, c'est bon, j'y viens. Donc, au niveau du négatif, par quoi on va commencer ? Donc, l'argent. Alors, au niveau de l'argent, donc vous allez me dire, non mais tu es au courant, tu payes une école privée 10 000 euros l'année, tu es au courant. Oui, bien sûr, je suis au courant, mais ce qu'on ne vous dit pas forcément au début, c'est qu'en fait, vous payez 10 000 euros l'année, d'accord, vous arrivez le premier jour, vous payez aussi 1 500 euros de livres, etc. Vous payez tout le temps. C'est une école où vous êtes obligé d'avoir de l'argent ou d'avoir un crédit pour payer vos fournitures. Parce que les fournitures, vous allez en dépenser, mais toutes les semaines. Que ce soit des fournitures de modélisme, de stylisme, que vous allez aller dans tous les magasins de vente de produits, de dessins, etc. Franchement, vous allez saigner. Franchement, les beaux-arts, là, vous allez y aller, vous allez avoir une carte de fidélité, je vous le dis. Hein. Franchement, ça coûte très très cher en fournitures, en feuilles, en tout, ça coûte très cher et le tissu, on s'en rend pas forcément compte, mais le tissu, ça coûte également très très cher. Si vous voulez des belles matières, vous n'allez pas chez Toto. Hein. Vous voulez des belles matières, il faut aller dans d'autres magasins spécialisés en fait. Et carrément, en fin d'année, quand vraiment vous créez votre collection, vous devez vous déplacer à Paris, vous devez vous déplacer dans d'autres villes, dans d'autres pays même, pour trouver des tissus intéressants et qualitatifs pour votre collection. Donc voilà, après il y a le tissu, mais il y a aussi le bouton, il y a aussi le fil, il y a aussi la machine à coudre, parce que quand vous êtes à l'école, ok, il y a des machines qui sont mises à disposition, certes, mais quand vous êtes chez vous, que vous devez terminer votre projet à la maison, vous faites comment ? Vous êtes obligé d'avoir une machine à coudre. Donc moi, je vous avoue que j'ai investi dans une machine à coudre, donc une machine à coudre à 1500 euros. Donc voilà, je l'adore, hein, une FAF, elle est super et je la garderai toute ma vie. Mais je n'ai pas investi non plus dans une machine surjeteuse parce que pareil, c'était 1000 euros et je n'avais pas envie en fait, c'était trop cher. Donc du coup, tu es obligé de t'organiser, de vraiment, c'est l'organisation. Le maître mot de cette école, c'est il faut être organisé, sinon tu n'y arrives pas. Donc en gros, il fallait que je m'organise pour bien tout surjeter mes morceaux quand j'étais à l'école, pour ensuite le soir pouvoir les coudre chez moi quoi. L'école coûte extrêmement cher et en fait, ce que je trouve dommage, c'est qu'on nous force à acheter des fournitures comme certains livres. Il y a des livres très pertinents qu'on va utiliser tout au long de l'année qui vont nous permettre d'apprendre à faire des dessins à plat, vous savez, avec des petits perroquets, etc. Mais bref, et il y a d'autres livres en fait, vraiment inutiles. Des livres, je vous jure, ils sont tout neufs. Je n'ai jamais ouvert le livre. Donc c'est vraiment des livres qu'on nous force à acheter. Et ce que je pense que c'est la réalité, pour être honnête, pour enrichir tout simplement ces écoles, parce que ce sont des livres qui sont en vente libre, hein, dans plusieurs librairies, etc. Il n'y a aucun souci. Sauf que là, on nous oblige, on nous force à les acheter en nous faisant croire que c'est des livres qui sont indispensables pour notre cursus, alors que ce n'est absolument, mais absolument pas le cas. Et que ce sont des livres qu'on n'a jamais eu besoin d'ouvrir. Donc voilà, donc j'ai des livres sous mon lit qui sont neufs. Donc, il y en a certains que j'ai réussi à revendre, d'autres que j'ai gardés au cas où, hein, on ne sait jamais. Mais voilà, je trouve qu'il y a certaines fournitures scolaires qu'on nous oblige à prendre, à acheter, et qui ne sont pas forcément utiles. Donc, c'est beaucoup de frais, beaucoup, beaucoup de frais. Et pour vous dire, moi, ma collection de fin d'année, je ne voulais absolument pas dépenser des 5-10 000 euros comme certains de mes camarades. Moi, j'ai fait le strict minimum, on va dire, et j'ai dépensé peut-être 1 000 euros, pas plus. Mais voilà, ça coûte très très cher. Ce qui est le stylisme, les cours de stylisme étaient bien, on fait plusieurs dossiers, etc. Mais cependant, en fait, c'est beaucoup de personnel.
Je comprends et d'un côté, je comprends pas. C'est-à-dire qu'en fait, les profs de stylisme, ils vont jamais vous prendre la main et vous aider à dessiner. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, ils peuvent un petit peu vous corriger quelques traits, mais c'est vraiment à vous, au fur et à mesure de dessiner, qui allez développer en fait votre patte et personne va vous tenir la main pour vous aider à faire. Donc c'est vrai que vos profs de stylisme, vous allez rarement les voir dessiner. Hein. Ça, ils sont souvent là juste pour juger, pour critiquer, pour donner un avis bien sûr objectif. Mais bon, des fois chacun son style, hein, bien sûr. J'ai pas beaucoup appris en stylisme, je vous avoue. J'aurais aimé, je sais pas, apprendre des trucs en plus, quoi. Et en fait, j'ai vraiment appris la colorisation, notamment avec les pro marqueurs, grâce à une personne que j'ai connue sur YouTube. Elle s'appelle Sketcher, il me semble. Et vraiment, mais elle m'a appris des techniques pour créer de la fourrure, pour créer un effet croco, pour créer un effet cuir, pour créer un effet jean. Vraiment, cette femme, elle m'a vraiment appris beaucoup de choses. Donc, comme vous voyez, en fait, on apprend par soi-même, même les techniques pour représenter les tissus sur papier. Également, en point négatif, mais c'est un point qui est dans toutes les écoles, hein, bien entendu, mais c'est qu'il y a énormément de travail, mais je dis bien énormément de travail. On ne se rend pas compte la charge de travail que donnent ces écoles. Et surtout, si vous êtes une personne comme moi qui s'investit à 100% dans ce qu'elle fait, franchement, cette source de travail, même avec mes problèmes que j'ai eu à côté pendant que j'étais là-bas, etc., de troubles du comportement alimentaire et tout, j'étais en dépression. Mais vraiment, la dépression pure et dure. L'envie de mourir, j'arrivais à l'école à un moment donné, on me demandait si ça allait, je leur disais non, ça ne va pas. Et en fait, ce qui m'a manqué dans cette école, c'est qu'au final, comme je travaillais bien, comme je faisais tout bien, et ben en fait, on s'occupait même plus de moi en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais du coup, on me laissait dans leur tête en fait, Doris, elle gère, c'est bon, elle va se débrouiller toute seule. Mais en fait, j'étais un petit peu arrivée à un stade où j'avais besoin d'aide et j'avais besoin d'un soutien. Et même au niveau de ma collection de fin d'année, enfin, quand je regarde ma collection, j'en ai pas un bon souvenir en fait. Pour moi, c'est une collection d'une personne totalement dépressive qui avait envie de mourir. Donc vraiment, c'est des écoles qui sont extrêmement dures et on s'en rend pas forcément compte. Il y a une vraie pression qu'on a sur les épaules. On veut tous faire les choses parfaitement bien. On veut tous que ça soit cohérent, que ça soit esthétique, que ça soit également portable, parce que créer des vêtements qui sont pas portables, ça sert à rien. Mais effectivement, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et si vous faites cette école, ou si vous avez fait cette école, ou si vous comptez faire cette école, vous verrez que déjà, la troisième année, vous n'allez pas dormir. Mais quand je vous dis que vous n'allez pas dormir, vous n'allez pas dormir en fait. Moi, je vous explique, vers la fin de la troisième année, au final, presque plus personne n'allait en cours. Tout le monde restait chez soi. Et tout le monde faisait que coudre, etc. pour terminer le montage de nos vêtements. Donc c'est très très compliqué, c'est-à-dire que je bossais on va dire de 11h jusqu'à du coup 18h30, 19h, 19h je mangeais 1h et ensuite je continuais et je me recouchais quand il faisait jour à 7h du matin quoi. Donc voilà, c'était horrible, vraiment c'était horrible. T'arrives à un point où tu n'en peux plus en fait, c'est vraiment ça. Donc voilà, c'est à prendre en compte, c'est très dur comme école. Je tiens à le dire, je ne pensais pas que c'était aussi dur que ça. Il y a un point que je n'apprécie pas, mais que je n'apprécie pas du tout, et ça du coup c'est pas un point personnel, hein, du coup c'est un point général, c'est qu'en fait c'est une école qui va vous vendre « Oui, nous avons des partenaires, nous avons ci, nous avons ça. » Vous arrivez chez eux, vous avez un panneau grand comme ça où il y a écrit « Oui, alors, je dis n'importe quoi. Hein. Marcus travaille maintenant chez Balenciaga en tant que modélisme. Sophia travaille maintenant chez Céline en tant que styliste. Ok, d'accord, mais en fait, ce qu'ils oublient de dire, c'est que ces gens-là, en fait, ils ne les ont pas aidés à avoir ce poste. C'est-à-dire que tout leur micmac, oui, vous payez pas juste une école, vous payez aussi des partenaires. Les partenaires, je ne les ai jamais vus. Si vous n'avez pas de stage à la fin de votre troisième année, vous n'avez pas votre diplôme, je tiens à vous le dire. Et ce n'est pas l'école qui va vous trouver un stage. Vous êtes obligé de vous démerder, vous, tout seul,
pour trouver un stage. Alors que lors de votre inscription, lors de la première année, ils vous disent que justement, il existe une plateforme où justement les partenaires mettent en ligne des offres de stage, d'annonces, d'emploi, patati patata. Mais en fait, quand vous allez sur ce type d'annonce, eh ben, il y a écrit, oui, recherche personne déjà diplômée. Donc toi, t'es en première année, tu cherches un stage, c'est pas pour toi, quoi. Donc du coup, c'est vrai que je trouve que ça, c'est un peu mensonger, dans le sens où vraiment, c'est pas le cas, quoi. Ça a peut-être été le cas pour certaines personnes, mais c'est une minorité. C'est peut-être 15%. Vraiment, je trouve que leur plateforme avec les stages ne sert strictement à rien et qu'il n'y a vraiment aucune aide, du coup, pour vous aider à trouver un stage, tout simplement. J'avais des cours, du coup, d'infographie et également des cours avec un logiciel qui s'appelle Modaris. Donc, du coup, les cours d'infographie Illustrator. Donc, je vous avoue que j'en ai pas eu beaucoup. Ils étaient pertinents, mais vraiment, j'en ai dû en avoir 5 dans l'année, donc vraiment, c'était pas ouf. Donc du coup, c'est vrai que si je voulais apprendre plus d'Illustrator, bah, c'était à moi tout simplement de télécharger illégalement l'application sur mon Mac et trafiquer. Un peu comme avec Photoshop en fait, on vous dit, vous faites avec Photoshop, ok super, mais Photoshop, comment on fait, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est un petit peu à vous, en gros, à force de faire des mises en page, de faire des dossiers, des retouches photos, etc. C'est vous, en fait, qui allez vous créer vous-même vos propres compétences sur ce type de logiciel. Donc là, encore une fois, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'aide, il n'y a pas vraiment de base. C'est à vous vraiment de vous mettre dedans et de trouver vraiment toutes les fonctionnalités de ces logiciels pour réussir en fait à faire des choses plutôt pas mal. Et ensuite concernant le logiciel Modaris. Le logiciel Modaris en fait c'est un très vieux logiciel utilisé par je pense de très vieilles entreprises. Je sais même pas si c'est encore utilisé maintenant, sûrement quand même. Et en fait c'est un logiciel de patronage du coup sur ordinateur. Et je vous avoue que vraiment personne ne comprenait rien à ce logiciel. Il est vieux comme le monde. C'est pas du tout ludique. C'est un logiciel hyper compliqué. Donc du coup, les cours, on n'avait pas forcément des très bonnes notes parce que c'est un logiciel qui est très très dur. Et en fait, je vous avoue que ça m'a servi à rien. Voilà, ça m'a servi strictement à rien et je n'ai absolument rien compris. Voilà. Oui, alors ensuite, il y a un point auquel on ne pense pas forcément, mais c'est qu'en fait, dans ce type d'école, vous avez beaucoup d'affaires à transporter. Mais c'est un truc de malade mental. Déjà, pour les cours d'art plastique, vous avez des formats raisins à prendre avec vous. Des formats raisins, vous imaginez dans le métro et tout, votre format raisin, c'est gros comme ça, hein. Comme ça. Enfin, pardon, vous voyez pas très bien là. Comme ça. Vraiment, c'est énorme. Vous avez beaucoup de fournitures à prendre, c'est lourd, vous avez mal au dos, vous êtes là avec votre perroquet, votre règle, votre calepin de croquis, vos tissus, vos chutes, c'est un bazar complet. Vraiment, au niveau des fournitures, moi encore j'avais de la chance, j'habitais à 5 minutes de l'école. Donc en fait, vraiment, j'oubliais un truc, je rentrais chez moi, je revenais pour l'avoir. Mais les gens qui devaient rentrer chez eux, qui étaient à 40 minutes de l'école, mais ils ne pouvaient pas en fait. Donc ça veut dire que tu arrives en cours, fatalité, tu as oublié le tissu que tu devais couper pour faire ta veste, tu as perdu une journée et ça veut dire que tu vas faire nuit blanche pour le faire chez toi. Donc vraiment, c'est encore une fois une question d'organisation. Il faut vraiment être prévoyant dans ce genre d'école, il faut vraiment faire son sac à l'avance. Faut penser à tout, vraiment à tout, et on se rend pas compte, mais tout ce qui est petite fourniture, etc., c'est cher. Encore une fois, c'est super cher, mais vraiment super cher. Ou je sais pas si je vous mettrai peut-être quelques photos, etc., de ma collection de fin d'année, de quelques trucs, quelques dessins. Je vais voir si je trouve encore des choses. Après j'ai mes produits hein, avec moi, mais je vais voir si je les intègre ou pas à la vidéo. Mais en fait j'ai juste envie de vous dire que cette école en soi m'a malheureusement apporté plus de négatifs que de positifs. C'est vrai qu'aujourd'hui je ne suis plus du tout dans la création, je suis plutôt dans le merch. Et j'ai un peu l'impression d'avoir fait ces études pour rien. Après, je vous avoue que là, comme en ce moment, je me pose beaucoup de questions
sur moi, parce que j'ai envie d'être heureuse un petit peu, comme tout le monde. Du coup, je me suis dit que là, en janvier, j'aimerais enfin que toutes ces compétences que j'ai apprises pendant ces 3 ans, elles soient enfin valorisées. Parce qu'au final, je me rends compte que j'ai besoin aujourd'hui d'aucune entreprise pour créer des produits. Donc du coup, j'aimerais bien aujourd'hui, pas là, de suite, pas là maintenant, hein. Mais j'aimerais bien du coup, d'ici janvier en fait, pouvoir me lancer au final. Avoir un petit job à côté, vous savez, quelque chose, on va dire 20h, 26h, mais grand max. En fait, j'ai envie de travailler maximum 3 jours dans une entreprise, pas plus, pour avoir un salaire fixe et tout le reste du temps vraiment me consacrer à moi, à ma création d'entreprise. Et du coup, pouvoir faire mes propres produits, tout simplement. Parce que je me rends compte qu'en fait, j'ai envie d'être libre. J'ai envie d'avoir cette liberté-là, de faire ce que j'aime et de pas donner toutes les compétences que j'ai à une entreprise, tout simplement. Moi, le seul conseil que je peux vous donner si vous voulez faire ce type d'école, c'est qu'il faut être passionné. Il faut vraiment avoir un mental d'acier. Il faut avoir des thunes ou être prêt à faire un crédit. Il y a des gens qui n'ont toujours pas remboursé leur crédit, hein, je vous le dis, hein, franchement, c'est vraiment chaud. Et voilà quoi, faut se donner à fond et en même temps, faut essayer de peut-être aussi lâcher prise, dans le sens où peut-être que moi, j'étais peut-être aussi un peu trop à fond dedans et du coup, ben, en plus de mes problèmes personnels que j'avais, etc., et ben, ça a fait que j'en pouvais plus, j'étais au bout. Mais oui, faut essayer de se dire qu'au final, ça reste que des vêtements, c'est rien. Si on rate une couture ou si on rate un dossier, que si on a une mauvaise note un jour parce qu'on n'a pas réussi, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. C'est pas, les modélistes et les stylistes, ce ne sont pas des chirurgiens, hein, c'est que du tissu. Il n'y a pas de vie en jeu. Donc c'est vrai que quand même, à la fin de ces 3 ans, j'avais quand même une certaine fierté et je me suis dit, je pourrais pas vivre pire. Parce que franchement, quand vous avez fait 3 ans de cette école et que vous êtes donné à fond comme je me suis donné à fond, vous êtes exténué quoi. Vous avez qu'une envie, c'est de dormir. Mais ça m'a quand même appris et voilà. Voilà, j'aimerais en fait que cette école ne me serve pas à rien aujourd'hui et que je puisse enfin créer de vrais projets. Voilà, comme je vous ai dit, je pense que moi personnellement, je vais me lancer en janvier parce que ça y est, je suis arrivée à un stade où j'ai envie de faire les choses pour moi et plus pour les autres. Donc j'espère que mon projet va marcher, de toute façon je vous en parlerai si du coup ça aboutit, etc. Mais voilà, c'est un peu les points positifs et les points négatifs de cette école. Après, je ne connais pas les autres écoles, hein, j'ai pas fait les autres, je ne sais pas comment ça se passe. En tout cas, ESMOD, c'est une des plus réputées, il y en a partout dans le monde, hein, c'est international. Ils vous vendent ça aussi, hein, le fait que ce soit international. Mais je vous avoue qu'avoir écrit ESMOD sur mon CV, je ne pense pas que ça m'ait apporté grand-chose. Hein. Enfin, en toute honnêteté, après mes études, j'ai essayé de bosser, de travailler dans la mode, pure et dure. Sauf qu'en fait, enfin, ils te prennent pas. Ils te disent que t'as pas assez d'expérience, ils te disent que non, vous avez vécu que 3 stages, c'est pas beaucoup. Oui, c'est pas beaucoup, mais là, je suis obligée de payer un loyer de 1 000 € sur Paris pour un studio pourri, moisi, minuscule, et vous voulez me faire bosser comme une 35 heures et être payée comme une stagiaire. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est vrai que au niveau monétaire, ça coûte de l'argent. Ça coûte vraiment beaucoup d'argent, donc c'est à vous de voir, tout simplement. Moi, en tout cas, j'en ai fini pour un petit peu ces explications sur cette école. Après, si vous voulez en savoir un petit peu plus, ben allez-y, hein, renseignez-vous, allez sur le site, regardez peut-être d'autres vidéos. Mais en tout cas, c'était un petit peu les points positifs et négatifs que j'ai retenus pendant ces 3 ans. À la fin, je vous jure, j'en pouvais plus, je détestais tout le monde. Ah, je vous jure. Oh, j'avais qu'une hâte, c'était de retourner sur Nice, mais bon, j'ai pas pu, j'ai dû monter à Paris, bref, toute une histoire. Mais voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Comme je vous ai dit, j'essaierai de vous mettre des petites photos, etc. J'espère que ça a pu être utile, que ça a pu un petit peu vous éclairer et que mon avis honnête et sincère sur ce type d'école, ça a pu vous apporter quelque chose, tout simplement. Voilà, que ça a pu vous donner un petit peu des petits conseils, etc. Ouais, être passionné.
avoir des thunes et savoir lâcher prise. C'est voilà, et la persévérance, vraiment la persévérance. Je vous fais des très très gros bisous. Moi, à la prochaine.